Faut croire qu'on va jouer les hits au prochain tour. Est-ce qu'on peut battre les champions? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Putain, regardez-moi cette ambiance de playoff là, tout le monde porte du blanc. Putain, il va être super chaud ce match. Voilà, je gagne l'entre-deux, on commence bien la série. On commence avec un pick and roll comme d'hab. Moi je te fais l'aller-retour du pick and roll. Non, on n'a rien. Bon, ça je sais que c'est raté. Je prends le rebond et je finis avec un petit double pas. Je commence bien le match. Faire gaffe à LeBron. Oula, LeBron qui douille, il fait un open under. Ah, je crois que je le contrais. Et je vais poster Bosch. Casse-toi, Anderson, tu me gênes là. Je fais mon hookshot quand même, mais ça va, faut croire qu'il m'a pas trop gêné. Attention à LeBron, attention à LeBron. Oh merde, j'ai pas vraiment fait ce que je voulais. Et Wade aussi, il fait de open under. Et ils sont en train de douiller, c'est les hits, c'est un truc de fou. Allez, démarque-toi, Walker, barre-toi. Bon, je vais la prendre moi-même. Oh, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Il s'y attendait pas là. Il a cru que j'allais poster, puis là, d'un coup, là, je suis parti super vite. Et je suis fait un méga dunk. Regardez ça. Allez, prends l'écran. Je coupe au panier, je demande le alley-oop. Parfait, me lance et je dunk sur un slam. Je crois que je suis allé chercher super haut le alley-oop là. Ouais. Non, pas tellement en fait. Mais... Attention, c'est de la merde. Voilà. Voilà, j'ai bien défendu. On va de l'autre côté. Tu m'as vu couper, tu m'as vu couper? Non. Prends l'écran. Là, je la demande, là, je coupe là. Et le petit dunk, facile, sans élan. Avec le band qui est en retard et qui arrive en retard là. Voilà. Non. Là, il faut que je sois prêt à venir en aide. Oh, il shoot sur deux mecs! Eh. Si c'était un joueur normal, j'aurais dit putain, c'est n'importe quoi. Mais là, vu que c'est LeBron, c'est pas vraiment un joueur normal quoi. Genre, il peut marquer des shoots compliqués comme ça. Pick and roll, je suis complètement tout seul. Qu'est-ce que tu fais, Haslem? Je dunk sur LeBron! Vous avez vu ça? Je crois que je lui ai rendu l'appareil là. Il nous marque un tir de merde, moi je lui donne dessus. Allez, pivot meneur là. Faut que je fasse gaffe à Chalmers parce que lui il est du genre à chouer ta balle. Oh. Et au moins il peut pas défendre le poste. Allez Walker, tu m'as vu. Ouh là c'est trop simple, c'est trop facile. En plus c'est un tocard sur moi là. Vas-y tu me vois poster. Voilà, je vais essayer de poster Bosch. Ouh la prise à deux, je la ressors. Fais-la moi. Voilà, ils reviennent en prise à deux. Regarde comme ils sont cons. Et hop, 2 points. Merci beaucoup. Oh là, mais Matt Carroll, mais oh, mais mauvaise passe, il la récupère par miracle et après il se prend un contre et on se fait dunker dessus par Cole. Et bah tiens, il me fait la passe, super, dunk en contre-attaque. J'ai même pas besoin de la demander, hein. Allez, on va essayer de refaire un pick and roll. Voilà, il y a Anderson tout seul, tu l'as vu, parfait, Anderson shoot. Voilà, premier du match. Attention à LeBron. En plus, c'est moi qui dois défendre sur LeBron sur cette action. Je sais pas s'il joue pivot là. Oh! Je sais pas comment il a fait, mais Wade il a réussi à se démarquer. Regardez-moi ce alley-oop là. Vénère. Allez, on prend pas. Faut qu'on défende beaucoup mieux dans ce carton. C'est bon, on a bien défendu le pick and roll. S'il marque alors qu'il est coincé dans la touche, et c'est sérieux! Le 2 plus 1 complètement impossible. Ça, c'est vraiment de la douille, ça. Oh là là. Allez. Faut surtout faire gaffe à LeBron. Faut que je sois prêt à aider à tout moment. Wade, c'est de la merde. Ah, on défend bien pendant toutes les 24 secondes. Et à la fin, on se prend un tir de merde. C'est tout le temps ça, en fait. Oh, bah, j'avais même pas demandé. On va replacer ça. Oh, il faut une prise à deux de débile. Et Anderson a un joli petit double pas. Et je vais poster Haslem. Oh, ils continuent avec leur prise à deux. Putain, j'ai appuyé sur le mauvais bouton là. Sinon, c'était encore un 2 points facile. Oh, bah parfait. Pick and roll entre grands là. Pick and roll entre intérieur. Et lui, il fait une passe magnifique. Et moi, je déchire l'arceau après. Oh, Anderson.
Oh, voilà. Avec Anderson, tu peux pas en avoir plus qu'un ou deux par match. Hein. Attention à LeBron, c'est un tir de merde. Wow, vous êtes sérieux? Ouais, temps mort là, je le demande. Ouh, j'ai cassé Haslem. Ouh, j'ai cassé Haslem, Anderson tout seul. Voilà, ça au moins il les marque. Attention à LeBron, attention à LeBron. Oh, mais vous êtes sérieux? LeBron, il rate rien. Je crois que le seul tir qu'il a raté, c'est quand je l'ai contré. Non, non, parce que j'ai pas de compte, mais... Ouais, enfin, c'était mon compte. Oh, Walker tout seul, ils ont amené la prise à deux. Yes. Je vous jure, je suis sorti 2 minutes, je me retrouve, je reviens derrière par 7. Et voilà, Haslem qui fait n'importe quoi en défense, c'est 2 points faciles. C'est l'ordi qui essaie de se rattraper pour la douille qui nous a mis, peut-être. Non, je crois pas. Parce que ce que je sais, c'est que je vais essayer de douiller là. Parfait, Matt Carroll la récupère, il me fait la passe. Toute manière, il est bon qu'à faire des passes et je déglingue l'arceau en contre-attaque. Voilà, regardez-moi ça, c'est tout joli avec le replay et tout. Là, on essaie de bien commencer le troisième quart-temps. Je suis tout seul, un gros dunk. Ça devrait nous motiver un petit peu, un dunk comme ça. Enfin, je sais pas. Mais... En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir. Attention à Wade, attention à Wade, attention à Wade, attention à... Non, parce que là, je commence à devenir parano avec Wade. Il marque tous ses shoots de merde. En parlant de shoot de merde, voilà un shoot de merde. Ah, oh, putain. Maintenant, j'essaie de le trapper parce que je suis désespéré. Regardez-moi ça. Oh, oh, il essaye de douiller Bosch. Bosch qui essaye de douiller les remises en jeu. Faut lui dire que c'est moi qui fais ça, c'est pas lui. Regardez-moi ce dunk pour le punir, là. Oula, on va calmer le jeu, là, mon petit Terry. Oula, ils emmènent la prise à deux. T'es tout seul, marque-moi ça. Non, t'es sérieux, là. Un putback de Anderson. Non, parce que Terry, là, t'as pas le droit de rater ça. Je sais que tu travailles que dans les quatrièmes cartons, mais... T'as pas le droit, là. C'était trop simple pour être raté. Je vois le band qui veut se démarquer. Chalmers, non. Ok. Oula, Bosch, Bosch, je saute. Non, vous êtes sérieux. Attention le band, attention le band. Putain, les hits, ils marquent vraiment que des tirs de merde. Attention à Bosch, je suis en plein sur lui. Je suis censé faire quoi, là? Je veux dire, je le colle, je sais qu'il fait une feinte, je saute pas. Il me marque sur la gueule, mais c'est un peu abusé. Allez, je me démarque. Non, je crois qu'il voulait pas. Il voulait pas que ça se passe comme ça à l'armée. Mais bon. Moi j'ai envie que ça se passe comme ça. Et je dunk sur le bâtier. Jordan Dunk là en plus. Oula, cette action pue vraiment la merde. On a rien foutu. Tous les coups ça sent le tir de merde. Prise à deux, je la lâche à Walker, balance un truc. Oh, vous êtes sérieux, c'est rentré. Allez, on va se calmer un peu là. J'ai poussé un peu trop sur le bouchon. Walker tout seul pour 3. Ah bah non, non, il marque le gros tir de merde en fin de shot clock tout à l'heure, mais ça, non. Eh, vous êtes sérieux? Vous avez vu d'où il s'est envolé, LeBron? Il a sauté de la ligne de lancer franc, là. Il a dunké sur 3 mecs. Allez, je pose Bosch. Il est beaucoup... Oh, non, vous êtes sérieux? Ouh, j'ai presque perdu, je l'ai récupéré, dunk tout seul. C'était calculé. Allez, prends l'écran. Là, t'es tout seul. Voilà, c'est bon. Avec ce jump shot, là, on va revenir, là. C'est le début du run. Et je vais essayer de douiller, là. Je vais essayer de douiller. Non, 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 il voulait pas. Allen, il voulait pas faire la passe de Chalmers, donc ça va pas se faire. On prend pas, en tout cas, on prend pas. C'est la fin du troisième carton. Oh, regardez-moi cette interception magnifique. Je lâche à Gilchrist, qui fait n'importe quoi. Terry tout seul. Tu m'as vu? Allez, je marque sur Bosch. Voilà. Vous avez vu cette interception? Elle était vraiment belle. Je suis assez fier de mon interception. En tout cas, on va pas se reposer là. Il faut toujours pas qu'on prenne avant la fin du carton. Merde, Bosch, mange ton cake, Chris Bosch. Allez, s'il marque le tir du milieu de terrain là, je saute de ma chaise. Oh, ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Attention, le brand, c'est quoi ce move? C'est quoi ce move? Elle prend l'écran. Allez, prends l'aller-retour. Non, il voulait pas l'aller-retour d'écran. Gilchrist spin move, c'est moche. Prends le rebond. Dunk. Non, j'allais dire une connerie. Voilà, ça c'est un joli dunk, ça. Ça c'est bien.
Oula, oula, salope là. Ça, si ça rentre, non. C'est sérieux. Vous avez vu ce alley-oop? Déjà, il rentre sa tête dans l'arceau. Et regardez, ça rebondit 50 fois dessus. Vous êtes sérieux? Allez, non, Anderson, des fois je me demande s'il est pas retardé. Parce que c'est assez chaud des fois. Regardez-le des fois, Anderson, il a vraiment l'air bête. Walker flotteur! Allez, prends l'écran. Fais gaffe, hein, parce que Walker il va dégainer les flotteurs maintenant. Non, il dégaine la passe et Chris Bosh a 6 fautes. Auf Wiedersehen, Chris Bosh. Allez, prends l'écran. Ils ont plus Chris Bosh maintenant, ça va être beaucoup plus simple de remonter. Ouh, Walker qui glisse comme une savonnette entre les défenseurs. Attention à LeBron. Là c'est bon parce que là, y a, à part LeBron et Wade, c'est déjà pas mal, y a personne de dangereux et il continue ses tirs de verre. Allez Walker. Gilchrist qui fait n'importe quoi. Et je sais pas comment je me retrouve avec un 2 plus 1, alors qu'à la base c'était clairement une perte de balles. Mais ok, hein, je le prends. Walker qui fait le show. Je demande le alley-oop. Bim sur Haslem. Il a même pas essayé de défendre là. Plein sur sa gueule. Non, Walker qui s'est pas fait chier sur cette action là. Ligne droite, ligne droite, ligne droite. Il est tout seul, double pas. N'empêche, ça aide, hein. C'est l'atout, là, mur de briques, là, ça aide vraiment pour le démarquer. Si ça, ça rentre, c'était horrible, ça. Ouh, wow, t'aurais pu t'appliquer, là, Walker. C'était pas super compliqué. T'aurais même pu tirer et s'il marque ça. Oh, putain. Ouh, qu'est-ce qu'il fait, Wade? Qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé son joueur complètement tout seul. Je vais poster, ils ont maintenant que Bosch à 6 fautes là, j'ai un énorme tocard sur moi. Ah, Walker tout seul. Ouh, il s'est pas fait contrer là, super. Défense, là c'est super important, on peut pas prendre. Oui, je l'ai intercepté, oups, merde, j'ai... C'est la même touche pour intercepter et tirer. Oh là là. Oh, le coaché il est énervé. Le coach est énervé. On se prend un tir de merde de Wade. Oh là là. Et si on perd ce match à cause de ça? Et vous avez vu le mec qui défend sur moi? Il a trébuché. On aurait dit qu'il était complètement bourré. Faute sur Walker. Marc t'es lancé franc et c'est bon. On sera bien placé pour gagner. Vous êtes sérieux? Le coach il pète vraiment son câble là. Le mec il m'a sorti alors que je suis le meilleur joueur. Il m'a sorti pour la fin du match. Putain, si on perd pendant que je suis dehors. Allez, allez, on n'a pas intérêt à perdre ce match. On n'a pas intérêt à perdre. Tout ça à cause d'une fausse touche. Ouf! On gagne le premier match. Même si le coach a pété son câble. C'est passé à deux doigts de perdre ce match. Là, imaginez que j'aurais perdu le match. Tout simplement parce que je me suis fait sortir à cause d'une fausse touche. LeBron et Wade ont tous les deux 30 points. Et moi, j'ai dû exploser. Walker a fait un très bon match. Allez, on est parti pour l'interview de fin de match. It didn't matter where you shot from tonight, everything was falling. Have you ever felt this confident about your shot before? Oh, all the time, man. You should see me in practice. I'm surprised when I missed. Most of the time, the ball doesn't even touch the rim on the way in. It's not quite so easy in a game, but that confidence still carries over. I've always been a believer in my ability to shoot the ball. And that's one of the things that makes a player great. And I'm gonna keep riding this streak while I'm hot. No sense in slowing down now.